Yop tout le monde, c'est Init. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de Peut-on jouer en classement. donc voilà. Je voulais juste vous dire rapidement donc que normalement juste après cette vidéo, enfin juste après je sais pas, dans pas très longtemps devrait être postée une vidéo. Ce sera un tout premier face commentary, enfin face commentary pas sur un jeu, mais où on verra mon visage. Donc c'est une vidéo que j'ai faite avec Artigo. Et un ami à moi qui a une chaîne YouTube aussi, que je mettrai dans la description quand je ferai cette vidéo avec lui. Il était chez moi donc pour aller à la Paris Manga. Et donc c'est une vidéo de présentation de nos achats de la Paris Manga. Quand vous verrez la vidéo, vous verrez que c'est une vidéo de bolos. c'était marrant à faire et je pense que vous marrerez bien en la regardant. De vrais boulets dans cette vidéo. Et c'était bien marrant. Donc, on va commencer sans tarder tout de suite à lancer des petits combats en classement, parce que c'est ce que vous voulez voir, hein, des combats. Donc, on va tout de suite chercher une session, en espérant en trouver. Hein. Il est 18h23, donc il doit bien y avoir des gens qui sont rentrés de cours et qui geekent un petit peu. Alors, en général, quand c'est long à trouver une session, c'est que soit il n'y en a pas, soit il y en a beaucoup. On prend le premier qui arrive. Ah, ça a l'air de bien marcher. Nicky Larson, il a écrit bizarrement. Il mérite qu'on le frappe. C'est pas grave. C'est parti. On lance direct en espérant qu'il réponde. Déconnecté de la session, bien évidemment. Je m'appelle Deidara Senpai, j'ai l'image de Deidara. Le personnage principal, c'est Deidara. En général, ça fait peur. Recherche de session, c'est long, c'est long. Bon, en tout cas, j'espère que ça va bien. Hein, ah oui, je voulais aussi vous parler du live dont je vous avais parlé. Je ne l'ai absolument pas oublié. Je pense faire ce live sur Osu, donc. Il se fera pendant les vacances, parce qu'à la fin de la semaine, donc je suis en vacances. Donc, dès que j'arrive en vacances, je vous fais une vidéo et je vous donne la date du live. Je pense le faire un week-end, hein, parce qu'il y en a qui sont... Tout le monde ne sera pas en vacances, donc... C'est plus simple de regarder un live le week-end que la semaine. Alors, lui, il en a fait du combat. Il aime le classement. Attention, est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce qu'il va pas m'accepter? Attention. Il m'a accepté. C'est parti. Ah, bon, alors, qui je vais prendre sur cette partie? Réflexion. Longue minute de réflexion. Je crois que je vais prendre simplement un de mes personnages favoris. Je vais jouer avec Sasuke Anesu et je vais le prendre avec Gaara. C'est mon soutien du moment. C'est parti. Alors, quelle map il va mettre? Voilà, l'examen préliminaire. Nickel, elle bug pas, donc c'est pas mal. Ouh, un joueur fair play. Donc on va essayer de jouer le plus skill possible. Donc c'est un joueur fair play mais qui ne doit pas connaître le jeu technique puisqu'il joue encore avec un soutien offensif, donc on verra bien. Et on dirait qu'il attend que je le frappe, il aime ça. D'accord, ça tente une TS, bon. Pourquoi pas. Je sais pas ce qu'il attend, merde, je me suis fait avoir. Oh là, oh là, oh là, j'ai du mal. Ouh, première partie, là, je... Ça a du mal. Oh là. J'ai énormément de mal, c'est dingue. D'accord, bon. Bon, le Gaara qui passe pas. Il a tenté le pain, mais c'est pas passé. On le dash. Je crois que j'ai utilisé un style de jeu simple contre lui, parce que... Le problème c'est que ça manque de vitesse ce fight. Donc c'est un peu dur de faire du bon jeu technique. On va pas foncer, voilà, le pain qui passe pas. D'accord. Il m'a gâché tout mon. Toute ma lancée, d'accord. Bon bah il s'éclate un petit peu, j'ai l'impression. On va placer quelques kunai, voilà. Le pain tu passeras pas. Voilà, je pense qu'il va permuter. Non, il ne permute pas. Il ne veut pas utiliser sa dernière permute. On tente un incliné. Non, bien sûr, bien évidemment, il ne fonce pas. Donc,
C'est il attend l'adversaire donc on va tenter la chope, voilà. La chope qui passe. Donc voilà. Oh bah je suis bête, j'ai permuté. Il n'y avait aucun intérêt à permuter. Bon, je vais me manger un combo complet, je pense. Non. On a pas mis de combo complet. Oh bah j'ai permuté. C'est pas mal hein, ça. Quelques kunai. Je vais me prendre le pain, bien évidemment. Et j'ai perdu. Je suis vraiment mauvais en classement. J'arrive vraiment pas à jouer. Oh là là, excusez-moi de ce vieux gameplay, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Ah là là. Bon, on passe au combat suivant. Je pense que je vais vous sortir mon petit Deidara. Je sais pas si je l'ai sorti dans la vidéo précédente de classement. Donc là je vais le sortir. Voilà. Même si je l'ai fait, c'est pas grave. J'ai envie de jouer Deidara, alors je joue Deidara. Connexion en cours, algérien de Momo. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Petit GG peut-être. Ça va bien jouer. Je le répondrai tout à l'heure. Parce que là, ouais, j'ai peut-être le temps qu'il réponde. Oh, on va le répondre. Hop là. Donc, on va sortir le petit Deidara avec mon soutien favori. Gara, oui, ça a changé pendant un moment, je n'utilisais que Kakashi, mais bon. Il s'est avéré être un personnage un petit peu avantagé, donc pour ne pas dire cheaté. Donc je prends Gara maintenant, et puis je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités à faire. D'accord, je vois le genre. Bon. Il y avait combien de probabilités pour qu'on tombe sur le même personnage? Je veux bien le savoir. C'est pas grave, on va voir qui va gagner entre le Deidara spammer et d'accord, et le Deidara pas spammer. C'est pas gagné. Mais là, je me concentre parce que j'aimerais éviter de perdre. Oh, je l'ai pas vu venir celle-là. Ah là là, quelle maîtrise du Deidara. Faut avouer que ça gère. D'accord, ça permet pour n'importe quoi. Oui, c'est bien connu, le Deidara, il permet pour n'importe quoi. Voilà. Voilà la manière la plus simple de battre un Deidara. Le faire permuter à fond. Voilà, on enchaîne. Ouais, bien évidemment, je permets pour tout et n'importe quoi moi-même. Ah, c'est pas pratique avec le défensif. Ah, ça reste un garde. Ah là là, j'ai plus de permute. C'est vraiment relou ça. Ah, je reste concentré là, j'ai beaucoup de mal. Non, 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 non! Il est redescendu juste à ce moment-là. Ah, c'est pas vrai. Bon. Je vais lui répondre à lui.
la flemme de mettre un SMS. Voilà. Ouais. Alors, on va lui envoyer un petit message sans insulte, hein, bien évidemment. Quand même. Je ne vais pas me rabaisser à un tel niveau. Voilà. C'est une insulte à Deida. Ah là là, best personnage ever. Deida. Bon allez, on va prendre un dernier personnage, donc pour un dernier combat. Et donc, on va prendre. Réfléchissons. Ce serait bien de changer un peu de personnage au lieu de prendre toujours des personnages qui sont très utilisés. Ça demande de la réflexion. On va prendre un autre personnage carré. Petite dédicace à Artigo. On va prendre le petit Utakata. Dédicace à Eptek en passant. Qui est aussi un grand joueur de Utakata. Ah, on tombe sur une connexion bleue en plus, c'est nickel. Il vient de perdre sa connexion bleue, c'est pas grave. Bon, donc on prend le petit Utakata. Ça fait un petit moment que je l'ai pas joué. Mais bon, je vais essayer de bien jouer avec. Ouais, je vais prendre ce soutien avec, c'est plutôt pas mal. J'aime bien ça fait une belle équipe, je trouve. Ils vont bien ensemble. On a pu prendre Deidara aussi, pourquoi pas. C'est deux équipes carrées, ça fait plutôt classe, je trouve. Donc, oui. Il me semble fair play, ça me semble être un joueur fair play. C'est parti, connexion court, on va bientôt pouvoir jouer. Oui. Peut-être que je vais réussir à gagner cette fois-ci. Parce que je suis vraiment mauvais en classement. Bien évidemment, bah oui, j'avais oublié qu'il était cheaté ce. Enfin, il était un petit peu. Il est pas cheaté mais un peu plutôt abusé. Mais bon, c'est pas grave. Ok, bon, pour l'instant je commence mal. Le soutien qui servait à rien, je vous l'accorde. Bon, j'essaye de jouer au max avec les bulles pour l'empêcher de bouger. Mais c'est pas évident. Wow. Prends, bouffe mes bulles. Ouais, je crois qu'il joue beaucoup avec les kunai. J'ai Utakata, mon vieux. C'est normal que j'utilise beaucoup les bulles. T'es pas obligé de spammer les kunai. Ouais, j'ai vraiment du mal avec Utakata. C'est pas évident. Et on place la chope. Nickel. Désolé, hein, j'ai beaucoup de mal à commenter quand je suis en fight. Ouais, je suis toujours obligé de me concentrer. Surtout quand je suis en classement. C'est vraiment pas évident. Je vais essayer de vous commenter. Allez, soyons fous. Donc, Ninja Move. J'ai tenté de passer par chemin de poison, mais c'est pas passé. On place des bulles, on replace quelques bulles. Voilà. On replace le parchemin. Il a permuté le parchemin. Bien évidemment, j'espérais qu'il permute, mais il l'a pas fait. Donc, mon soutien ne servit à rien. Il y a des problèmes de connexion. C'est pas grave, je suis professionnel en problème de connexion. L'habitude avec Artigo, vous inquiétez pas. Mais t'enfuis pas! Comment tu veux que je te touche si tu t'enfuis? On place la chope. Là, il a permuté. J'ai permuté aussi comme un boulet. C'est pas grave. On va peut-être pouvoir se relever. Je reprends un peu de chakra. Lui, bien évidemment, il en a pas besoin. Je suis plutôt en mauvaise posture. Bien tenté le katon, mais c'est pas passé. Il va permuter. Voilà, j'en doutais. Le rebond qui est passé. Et le jutsu! Magnifique! Ah, je pensais pas qu'il allait il allait passer ce rebond. Oh, bah la TS3 qui peut passer. Oh, j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là.
J'ai eu beaucoup de chance. Allez, prends-toi mes bulles. Voilà, j'ai réussi à gagner. Nickel. Je gagne au moins pour le dernier combat avec Utakata. C'était sympa, c'était plutôt sympa ce petit fight. Très sympa, je ne pensais pas gagner avec mon Utakata, mais j'ai réussi. En plus, je passe Chunin. C'est super. Oh, je gagne quelques titres en passant. Trop de puissance chez moi. Bref. Voilà, donc on en a fini avec les combats. Pardon. Donc, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fini par réussir à gagner avec mon Utakata. Ouf. Et donc, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Hein. Likez et abonnez-vous. Bye tout le monde.